Salut à toutes et à tous! Après les sorties récentes d'Assassin's Creed, Unity et de Far Cry 4, je me suis dit qu'une chronique sur la société qui a produit ces jeux serait la bienvenue, c'est pourquoi nous allons parler cette semaine d'Ubisoft. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'industrie vidéoludique, Ubisoft est très connu grâce à sa production de multiples jeux AAA. Ubisoft est en effet le troisième développeur mondial de jeux vidéo derrière Activision et Electronic Arts, et le troisième éditeur indépendant en Europe et aux États-Unis. Ubisoft est à l'origine de grandes licences comme Rayman, Splinter Cell, Prince of Persia ou encore Far Cry et Assassin's Creed. Aujourd'hui, Ubisoft possède 26 studios dans 19 pays et compte plus de 9000 employés dont les trois quarts dans la production. Nous allons donc revenir un petit peu sur l'histoire d'Ubisoft depuis sa création en 1986. Alors, originaire du Morbihan, la famille Guillemot travaille dans les machines agricoles. En 1984, lors d'un voyage en Angleterre, Michel Guillemot, l'aîné des cinq frères, s'aperçoit que les jeux sont vendus trois fois plus cher en France. Devant le succès et le potentiel énorme du marché vidéoludique, il se lance ainsi dans la distribution de jeux sur le territoire français. C'est ainsi qu'est créé Ubisoft en 1986. Le nom de l'entreprise pourrait provenir de l'acronyme UBI, Union des Bretons Indépendants, ou alors du mot ubiquité, du latin ubique, la capacité d'être présent en tout lieu, l'omniprésence. Un nom révélateur de l'ambition des frères Guillemot. Le suffixe « soft » venant lui de « software », « logiciel », car Ubisoft distribue à sa création, en plus des jeux, des logiciels pédagogiques. La présidence d'Ubisoft était confiée à Yves Guillemot, qu'il est encore en 2014. Michel prendra lui les rênes de Gameloft, créé par un autre frère Gérard. Gameloft qui deviendra un des leaders mondiaux dans la création de jeux sur mobile. Fort de son succès dans la distribution, Ubisoft va décider de passer à la production et à l'édition de jeux vidéo. Cela commencera avec le jeu Zombie, sorti sur Amstrad CPC et Atari ST en 1990. Alors à l'époque, la production de jeux ne coûte pas très cher, Ubisoft comprend quand même très vite que des filiales de distribution et de production sont indispensables pour faire évoluer l'entreprise familiale. Ils ouvrent ainsi un nouveau studio de production à Montpellier, puis un autre en Roumanie. Ubisoft ouvre également des filiales de distribution au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, au Japon et aux États-Unis pour pouvoir être au plus près de sa clientèle. Alors récemment, j'avais fait une autre chronique sur Infogram, une autre société de production française, qui avait fait le choix pour se développer d'acheter des studios indépendants dans différents pays. Alors Ubisoft ne va pas suivre cette voie dans les années 90, ils préfèrent ouvrir eux-mêmes leur propre studio. C'est en 1995 que va naître une légende du jeu vidéo, Rayman, un jeu de plateforme 2D développé par Ludimedia, qui deviendra plus tard Ubisoft Montpellier. Le créateur de ce personnage innovant est Michel Ancel, entré chez Ubisoft 5 ans plus tôt. Pour pallier aux capacités techniques de l'époque, Rayman sera créé de façon cartoonesque, sans bras ni jambes, afin de fluidifier au mieux les animations de mouvement, courir, nager et s'agiter dans tous les sens, comme l'expliquera plus tard Michel Ancel. Rayman, le premier jeu d'une longue série, se vendra à plus de 3 millions d'exemplaires et sera même le plus vendu sur PlayStation au Royaume-Uni devant Tomb Raider et Gran Turismo, un jeu indémodable donc, même 10 ans après sa sortie comme le précisera le site IGN en 2008. Fort de ce succès planétaire, Ubisoft décide d'étendre un peu plus son réseau mondial en ouvrant d'autres filiales de distribution ainsi que des studios de production comme en Chine ou à Annecy en France, en plus d'entrer sur le second marché de la Bourse de Paris en 1996, permettant à Ubisoft de pouvoir investir dans leur stratégie puisque la demande d'action était beaucoup plus importante que l'offre. C'est en 1997 qu'Ubisoft ouvrira son studio à Montréal, qui est actuellement son plus gros studio avec 2300 employés, et sera à l'origine de gros projets comme Tom Clancy's Splinter Cell, Far Cry 3 ou Watch Dogs. Ils ouvrent aussi un studio au Maroc, en Italie et en Espagne. Parallèlement, Ubisoft réalise des acquisitions stratégiques comme Blue Byte Software, société allemande détenteur de la licence de Settlers, ainsi que la division jeux de The Learning Company, société américaine qui possède les marques telles que Prince of Persia et Myst. Les années 2000 vont être marquées par l'achat de nombreux studios indépendants, ce n'est pas forcément pour le plaisir de collectionner studios, ce que cherche Ubisoft, c'est surtout obtenir des jeux que ces studios ont développés pour en faire des licences sur plusieurs épisodes. Alors quelques exemples, il y a eu Red Storm Entertainment, société créée par l'écrivain Tom Clancy, qui est acquise en 2000 pour développer les jeux Rainbow Six et Splinter Cell. Il y a eu aussi Reflection, située en Angleterre, acquise en 2006, qui est développeur de la série Driver. Sunflowers, acquise en 2007, éditrice de la série Anno. Nadeo, située en France, est achetée en 2009 pour la franchise Trackmania.
et Red Lynx, studio finlandais acheté en 2011 et le développeur de la franchise Trials. Et il existe encore bien d'autres acquisitions qui vont faire d'Ubisoft un des leaders mondiaux sur le marché des jeux vidéo. En 2002, Ubisoft se lance dans le jeu en ligne en ouvrant le portail ubi.com. Cette même année, à l'E3, Tom Clancy's Splinter Cell gagne le titre de jeu d'action et aventure de l'année et est un énorme succès. C'est en 2003 qu'Ubisoft fête son 100 millionième jeu vendu et change de logo, encore en vigueur aujourd'hui. Ubisoft continue son ascension grâce à de nombreuses productions, surtout des suites de licences déjà existantes, ou dans de nouvelles licences comme Beyond Good and Evil, créé par Michel Ancel qui n'aura pas le succès escompté. En 2004, Electronic Arts s'empare du contrôle d'Ubisoft en achetant 19,9% des actions, ce qui aurait pu faire disparaître l'entreprise. Mais devant des résultats déficitaires en 2009 et en 2010, Electronic Arts décide de vendre leurs actions en 2010. Actuellement, la famille Guillemot possède encore 10% des actions, faisant d'eux un des actionnaires majoritaires. Entre 2004 et 2010, Ubisoft va connaître de nombreux succès commerciaux avec des jeux comme Far Cry en 2004, Les Lapins Crétins en 2006, Imagine et World in Conflict en 2007. Assassin's Creed débarque aussi en 2007 et sera le jeu le plus vendu sur console nouvelle génération avec aujourd'hui plus de 29 millions de jeux vendus. Cette série rendra Ubisoft un peu plus connu mondialement. En 2009, Ubisoft sort Just Dance, une franchise qui se vendra à plus de 50 millions d'exemplaires au total et deviendra un véritable phénomène et sera pendant plus d'un mois le jeu le plus vendu sur la console Wii. Ubisoft lance cette même année sa plateforme de services en ligne, Uplay, où les joueurs peuvent acheter des contenus, obtenir des récompenses et d'autres services. Le jeu en ligne et le multijoueur va devenir une des forces d'Ubisoft, puisque de nombreux jeux seront jouables grâce à Uplay, comme Anno 2070, Driver San Francisco, Assassin's Creed, From Dust, Silent Hunter 5, Just Dance et bien d'autres encore. Un autre domaine dans lequel Ubisoft va se développer, c'est le transmédia. Cela va surtout être le cas avec la licence d'Assassin's Creed, puisqu'en effet, en plus de proposer des jeux vidéo sur console et PC, Ubisoft va mettre sur le marché toute une panoplie de produits multimédia et culturels estampillés Assassin's Creed. Les scénarios et les différentes époques traitées dans ce jeu offrent de nombreuses possibilités de développement pour faire du transmédia. L'histoire commence sur un support pour évoluer vers un autre. Ainsi, Ubisoft va adopter une stratégie multiplateforme en se lançant dans la création de BD et de courts-métrages Assassin's Creed qui vont enrichir son univers bien au-delà des moyens de promotion classiques des jeux vidéo. En partenariat avec Gameloft et pour lancer le jeu, Ubisoft développera dès 2007 des applications mobiles propres à chaque volet ainsi qu'une application sur sa page Facebook. S'ensuivra dès 2009 une série de 3 courts-métrages Assassin's Creed Lineage diffusés sur YouTube et NRJ12 qui amorce la transition vers le deuxième jeu. Ubisoft fait ainsi ses premiers pas dans l'industrie cinématographique grâce notamment au rachat du studio Hybrid spécialisé dans les effets numériques à qui l'on doit les films 300, Sin City et Avatar. Ubisoft Motion Picture produira ainsi son premier film, Ghost Recon Alpha, diffusé sur W9 en mai 2011. A une autre échelle, Ubisoft possède la licence des Lapins Crétins, que l'on retrouvera dans une série animée de 78 mini-épisodes de 7 minutes, diffusée sur France 3. On voit bien que la nouvelle stratégie d'Ubisoft est, comme le fait déjà Disney, d'offrir aux joueurs, et pas seulement aux joueurs, de nouveaux produits sur une multitude de supports multimédia. En 2011, Ubisoft fêtera son 500 millionième jeu vendu, et pour fêter les 25 ans de la licence Rayman, un nouvel épisode sortira, Rayman Origins, qui sera suivi 2 ans plus tard de Rayman Legends. Un gameplay simple, mais très efficace, l'univers de Rayman est très bien intégré à ces deux jeux de plateforme 2D au graphisme coloré et chatoyant, deux excellents jeux. Pour se diversifier un petit peu plus, depuis 2012, Ubisoft s'est lancé davantage sur le marché des jeux sur mobile et des jeux sociaux, ainsi que dans les free-to-play comme The Mighty Quest for Epic Loot par exemple. Ubisoft est dorénavant le troisième éditeur mondial et possède de plus en plus de flèches à son arc avec de nombreuses licences à succès. Tout ceci peut soulever certaines critiques dans la profession, les licences à plusieurs épisodes telles que Assassin's Creed qui ressemble plus ou moins au précédent, ou Far Cry 4 qui ressemble plus ou moins au précédent, c'est souvent le problème des jeux AAA au budget faramineux qui laisse peu de place à l'improvisation ou à l'originalité, un peu comme Activision et sa licence Call of Duty. Pourtant, au mois de mai 2014, Ubisoft a sorti une nouvelle licence Watch Dogs, un gameplay pas forcément innovant sous forme de FPS, mais on peut pas reprocher à Ubisoft de se lancer dans de nouvelles licences. Le succès de Watch Dogs reste assez mitigé, 9 millions de ventes, dont quasiment 5 millions la première semaine. Le jeu était très attendu, la publicité était immense, et pourtant le jeu a subi de lourdes critiques comme les bugs, le manque de finition et le déjà vu, etc., etc. Ce qui peut expliquer largement les super ventes la première semaine, puis une baisse considérable des ventes par la suite. On peut aussi évoquer le cas Child of Light, vendu sous l'étiquette jeu indépendant. Alors j'ai un petit peu de mal à comprendre la définition du mot indépendant, quand on sait que le jeu a été conçu par Ubisoft Montréal, qui compte quand même 2000 employés. Le jeu n'en reste pas moins très réussi de par son univers enfantin de contes de fées. Quoi qu'il en soit, Ubisoft reste une très grosse entreprise d'édition et de distribution de jeux vidéo,
Parti de rien dans les années 80 dans une industrie naissante, son PDG Yves Guillemot, aujourd'hui encore, a su porter cette entreprise au sommet. On ne va pas parler de French Touch, pour une entreprise présente dans plusieurs pays, mais comme le dit lui-même Yves Guillemot, 25 studios partout dans le monde qui apportent à la société un peu de Suède, un peu de Québec, un peu d'États-Unis, un peu de France. Il n'y a pas un modèle, il y a des influences diverses. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !